Hello les petits chats, hello tout le monde. Comme ce jeu a eu l'air de vous plaire et qu'à moi il me plaît énormément, je me suis dit qu'on allait continuer à le faire ensemble en vidéo. Et comme ça je pourrais enfin adopter mon petit poussin et l'appeler Ikari. Alors, on va continuer. Jusque là j'ai pu créer une petite boutique que j'ai appelée Lulu Shop. Ça fait 6 jours, 1 mois... Non, c'est moi, 1 an et 1 et 6 jours. Bon, j'ai encore des choses à réparer, hein. Et oui, c'est ça que j'avais dit, il fallait absolument que je mette un petit peu de mobilier parce que ma maison était vraiment pauvre en décoration. Alors, on a du verre, donc ça c'est bien, j'avais mis du verre la dernière fois. À chaque fois, il faut attendre 3 heures, donc c'est un petit peu long. Mais au moins, je me dis que je pourrais réparer mes carreaux. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y avait une vitre ici. Et là, il n'y en a pas. C'est très très bizarre. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Il fallait que j'aille rendre mon petit examen. Oh, bonjour. Salut, je m'appelle Kiwa. Je suis le plus jeune des frères Oulu. Nous sommes 7. Alors, il faudra probablement un certain temps avant de pouvoir nous différencier. Ok. Apparemment, on peut faire de la lutte. Du coup, j'ai bien envie de tester. J'ai pas mis mes gants. Bim! Toum, 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 toum. Toum, 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 toum. J'ai l'impression qu'il me touche pas. Ah. Hey, apparemment, c'est plutôt bien pour nos relations. Alors, on va se mettre en route. À mon avis, il faut qu'on aille voir le chef de la ville. Bonjour, bonjour, monsieur Presley. Très bon travail, tu as réussi. Voici ton permis de construction. Félicitations. Tu n'as plus qu'à apporter ce permis au bureau du maire et faire enregistrer ton atelier. Come back! Ok, c'est parti, on va enregistrer tout ça. Direction la mairie. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pardon Pinky, pousse-toi. J'ai pas de poisson. Ah, Gal. Bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue, tu dois être Luciole. Je suis Gal, le maire de la ville. C'est vraiment merveilleux de pouvoir et de voir des gens contribuer au progrès de notre société. Je viens faire enregistrer mon atelier. Très bien. Quel est le nom de ton atelier? Justement, c'était Lulu Shop, mais apparemment, vous avez la mémoire courte. Très bien, Lulu Shop, c'est un joli nom. Voilà, ton enregistrement est terminé. Merci beaucoup. Nous allons aussi parfois organiser des réunions au coin du feu. Elles seront annoncées par courrier. Essaie de t'y rendre si possible. Tu n'aimerais pas me laisser tout seul? Ah, je discuterai des événements de la ville et du monde en général. Enfin, tout ce qu'il y a de plus habituel. Très bien, monsieur. Merci, merci. Alors, allez au centre de recherche. Est-ce que ce serait par là? Non, ça c'est la mairie. Peut-être qu'on a des choses à faire à la mairie, qui sait. Ah oui, d'accord, donc là on est carrément dans le bureau du maire. Non, c'est pas spécialement ça que je voulais faire. Nous, on va aller au centre de recherche. Je suis sûre que Presley est à la mairie. Ah, monsieur Presley! Ça y est, j'ai un nouveau nom. Tu es officiellement propriétaire de ton atelier. Ton père serait très fier de toi. Je vais t'expliquer comment cela fonctionne. Comment fonctionnent certains de nos procédés commerciaux. Tous les jours, dans le bureau de Portia, nous affichons des commandes pour les ateliers sur le bureau. Juste là. Ah, intéressant. Donc tous les jours, il faut passer au bureau. En fonction de la rapidité et de la qualité des recherches et des résultats, nous établissons un classement hebdomadaire des ateliers et l'affichons au mur qui se trouve derrière toi. Donc on peut devenir potentiellement le meilleur. Il y a d'autres ateliers à Portia? Oh, bien sûr, avec le tien, il y en a 6 sur notre territoire. Et en plus du classement, tu recevras également une note d'atelier qui sera indiquée sur ton permis. Plus ta note est élevée, plus la qualité des commandes que tu peux obtenir sera intéressante. Mais ne t'inquiète pas, si tu travailles aussi bien que ton père, tu atteindras très vite la tête du classement. Bah j'espère bien, je veux être première. Une fois que tu as terminé tes commandes, tu peux venir récupérer ta commission auprès d'Antoine. Ouais, d'accord. Bref, puisque c'est ta première commande, je t'en ai réservé une. Oh, c'est trop gentil. Ah, alors, on a des commissions? Higgins, tu as déjà accepté les commandes, ça ne se compte pas. Bonne journée. Quel voleur! Et lui, il peut rien dire! C'est le propriétaire du meilleur atelier. Bah oui, mais nous, on débute, on a besoin d'aide. Toutes mes excuses. Oh, c'est qui ce beau gosse? Salut! Apparemment, il a du travail pour nous. Il est trop mignon avec ce petit rouquin aux yeux bleus. Qu'y a-t-il, Arlo? Nous voulons construire un pont jusqu'à l'île d'Ambre. Le maire a enfin accepté le budget. Bien, notre jeune Luciole est là pour relever le défi. Oui, il s'est dit que l'endroit pouvait devenir une véritable attraction touristique, avec la grande entrée. Luciole, consulte le matériel de ton père pour voir s'il contient un diagramme de pont. T'inquiète pas, je vais m'en occuper. Ça va le faire. Ok Arlo, t'inquiète pas. Pardon, tut tut. Je passe avant. Bon, si Arlo nous fait confiance, on est bon. En plus, je vois exactement où est le pont. Poser la tête du pont, poser le corps du pont. Il faut qu'on aille voir si on a de quoi faire un pont. Papa, j'espère que t'as déjà fait un pont dans ta vie. Papounet! Est-ce qu'on a un pont quelque part? Alors, fourneau en pierre, broyeur, biseautage, scie... Tête de pont. C'est ça qu'il nous faut. Et corps de pont. Ok, très bien. Tuyau en cuivre. Planche de bois dur.
Ok, les planches de bois, on a. Tu vas les poser, tes planches. Et bien, la barre rapide est là. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Des tuyaux en cuivre. Alors ça, je pense qu'il faut qu'on les fasse avec ça. Il nous faut du cuivre. Ok, c'est parti. On en fait deux. Il nous en faut combien? Il nous en faut deux, je crois. Hein. De toute façon. Ah, il nous en faut trois. Et planches de bois? Mais planches de bois, elles sont là, mes petites planches de bois. Qu'est-ce que vous avez contre mes planches de bois? Je vais t'en couper du bois, ça va être vite vu. De toutes les sortes, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Ah non mais il faut pas hacher dans le vide, petite luciole. Sinon on va pas s'en sortir. On a des petites fibres végétales. Wouh! C'est pas tout facile. Qu'est-ce qu'il nous propose ici? La meule ça va à quoi? Un rouleau gigantesque en pierre servant à meuler les métaux. Coffre en bois. Ça peut nous servir un petit coffre en bois. On va en faire un. Du coton, des toffes de fibres pour faire un canapé. Fourrure abîmée. Je pense qu'il faut qu'on se fasse une épée. On n'a que 7 gold. On n'est pas très très riche, hein, on va pas se mentir. Vous savez quoi? On va essayer d'attaquer une bestiole. Je garantis rien. Mais j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on va arriver à se faire un peu de sous. Parce que là, pour l'instant, on n'a rien. Il va évidemment falloir qu'on fasse des commandes. Quand on aura fait spawn, on aura peut-être moyen. Ok, le lama, je suis désolée. Je suis vraiment désolée de ce qui va se passer. Je suis à la hache quand même. Ok, ça nous a donné de la fourrure. Donc si, c'est bien ça qu'il faut faire. Pauvre petit chat. Oh. Celui-là, il a l'air plus costaud, lui. Il va falloir faire gaffe. Ah, lui, il nous fait mal, lui. Oh, il fait des petits bruits tellement cute. Je préférais tellement plus l'adopter. Au revoir. Au revoir, petit moutmout. Tu n'as pas cette place dans ton inventaire. Alors, il nous faut de la place pour quoi? On peut peut-être poser des choses. Ça, c'est quoi? Notre permis de construire. Du caca. Bon, on peut poser le caca, je pense. Ça, des petits tas. J'ai pas l'impression qu'on a ramassé beaucoup de choses, là. Mais notre inventaire est plein, donc c'est légèrement gênant. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons récemment aperçu de nombreux chauves pandas. Je sais qu'ils sont mignons, mais ce n'est pas une raison pour les approcher. Ils sont dangereux. J'ai demandé à la brigade civile d'essayer de les effrayer. Mais j'ai peu d'espoir. Nous savons tous à quoi ressemble une invasion de chauves pandas. Non, moi je sais pas trop à quoi ça ressemble. Si seulement nous avions un char d'assaut. Parmi les autres nouvelles du jour, nous avons décidé de construire un pont vers l'île d'Ambre. Un constructeur a déjà été sélectionné pour ce projet. C'est nous. Nous préparons également la mise en place d'un système de transport Didi. Je m'en chargerai de l'obtention du financement dans les semaines à venir et je choisirai bientôt un constructeur pour ce projet. Tous les dons sont les bienvenus. Comment? Je n'ai jamais entendu parler de ce pont. Depuis quand est-il prévu? Je pourrais enfin pêcher là-bas. Il nous demande encore de l'argent. Au final, un nouveau constructeur s'est installé à Portia. Cette semaine, elle réside dans le vieil atelier situé à l'extérieur de la ville. Accueillons Luciole comme il se doit. Eh oui, c'est moi Luciole. Allez, salut. Salut, monsieur le docteur Chou. Ah, bienvenue à Portia. Je suis le seul docteur ici, alors n'hésite pas à venir me voir si tu as besoin de soins ou d'objets médicaux. Tiens, voici un cadeau de bienvenue. Des herbes. Ah, c'est peut-être pour se soigner les herbes alors. Merci monsieur le docteur, je crois qu'il est tard, je vais aller faire dodo. Au revoir, au revoir. Bonjour Kiwa. Déjà vu l'autre jour mais... Attendez. Désolé, j'ai failli vous donner un coup de hache. Salut, tu es le nouveau constructeur? Je m'appelle Kiwa. J'adore pêcher. Mais un gros poisson a rompu ma canne à pêche hier. Tu pourrais m'en fabriquer une nouvelle? Bien sûr. Mais bien sûr, tout de suite. J'ai déjà 36 000 trucs à faire, du courrier, je suis pas couchée, mais tout va bien. Oula, Antoine. À la fin de la semaine, nous avons besoin de personnes qualifiées pour inspecter ces produits. Pour organiser cela, nous afficherons pas d'autres commandes pendant le week-end. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. Nous allons faire une annonce importante. Ça, on est sur le dossier. Salut, j'ai une commande virile pour toi, ça te dit? Ok. Purée, mais ça commence à faire beaucoup de commandes là, j'étais pas prête. On est passé de 0 commande à 10 000 là. Je vais me coucher, hein. Demain il fera jour. Moi, c'est le gros bois que j'arrive pas à trouver. J'ai pas la hache qu'il me faut pour faire du gros bois. Et je suis bloquée. Tristesse et lamentation. Avec 3 morceaux de bois là, je sais pas si ça va le faire. On va tester, mais gros bois. J'ai 3 petits bouts quoi. Planche de bois, il m'en faut 5, j'en ai que 3. Par contre, j'ai assez pour faire une épée, mais du coup, c'est trop tôt là. Je pense qu'il va falloir qu'on vende des ressources et qu'on achète. J'aurais dû garder mes sous au début, j'ai fait un peu la folle. J'ai donné tous mes dollars. Alors, j'ai un plan d'amélioration, moi j'améliore tout. Hein. Je m'embête pas pour l'instant. Mission. Le pont. Accueil chaleureux, il faut qu'on aille voir. Bah, je crois qu'on a vu tout le monde. Ah non, on n'a pas vu Sophie, c'est la petite mamie. Mais je sais pas où elle est. Ok, Charles, elle est tout là-bas, Sophie. Et Sophie, c'est pas elle qu'on a piqué des poules? Je crois qu'on a piqué des poules à Sophie. Est-ce que vous pensez qu'elle va s'en souvenir? On va aller la voir, s'excuser. Désolée, Sophie, je vous ai piqué des poules, mais je vous jure, elles sont toutes rentrées à la maison.
J'en ai gardé aucune de poule. C'est elle qui doit vivre dans la petite ferme là-bas. Qui a des cochons, des poulets. Bah tiens, elle est avec les poules en plus. Je crois que je la vois là-bas. Elle est en train de nourrir ses poules. J'ai trop hâte d'en avoir moi aussi des poules. Mais le poulailler coûte super cher. Je me suis renseignée un peu. Bonjour Sophie. C'est la fermière Sophie. Non, je veux pas ramasser une poule, je veux parler à Sophie. Bonjour, c'est un plaisir de te rencontrer. Si tu as besoin de nourriture ou de graines, tu peux venir ici. Laisse-moi t'offrir un petit quelque chose. Un poulet? Elle m'a offert quoi? Moi je lui offrais un cadeau. Je pense qu'elle et moi on peut être amis. Ça c'est toutes les choses qu'elle veut ou qu'elle aime pas? Je peux lui offrir de la fourrure. Voilà, un peu de fourrure colorée. Bon, on a parlé avec Sophie. On est toujours à la recherche de Spawn. Et faut toujours qu'on aille au centre de recherche, j'y suis toujours pas allée. On va regarder ça sur la carte. Je sais pas si je dois y aller quand même ou pas. Je pense qu'il faut que j'y aille, mais quand tout est fait, et le centre de recherche, je sais pas du tout où il est. On va aller aux ruines en attendant. Place centrale, centre de recherche, c'est là. C'est là où il faut qu'on aille. Je crois que le centre de recherche était tout là-bas, sur la droite. J'ai un sens de l'orientation assez pourri. Alors je pense qu'il va falloir que je regarde ma carte plus d'une fois. C'est-à-dire maintenant. Ok, nous on est là, il faut qu'on remonte tout là-haut. On suit le petit chemin. Salut petit minou, t'inquiète pas que quand je vais pêcher du poisson, toi et moi on va être meilleurs potes. Bienvenue au centre de recherche. Bonjour, bonjour. Apparemment, il fallait que je vienne vous voir. Je n'ai pas le temps. Demande à Petra. Ok, ça c'est fait. Petra, bonjour. Qu'est-ce qu'on a là? Un disque de données. Tu sais ce que c'est? Tu veux savoir? Les disques de données servent à découvrir de nouveaux diagrammes pour ton manuel de l'atelier. Nous utilisons d'anciennes reliques pour fabriquer la plupart de nos constructions actuelles. Cependant, il existe un grand nombre de reliques dans le monde, dans la nature, qui nous échappent. Il serait impossible de les fabriquer, même dans un siècle. C'est là que les disques de données entrent en jeu. Ces disques de données sont éparpillés aux quatre coins du monde. Ils contiennent beaucoup d'informations utiles concernant les vieilles reliques. Si tu en trouves, donne-les-nous. Bon, il reste plus que cette histoire de pont. Je sais pas trop si ces bêtes-là, elles sont violentes ou pas. Je sais même pas ce qu'elles nous donnent, mais on va tester. Oula, monsieur Coxnel. Oh, quoique, il est niveau 9, il me fait peur. Il est trop haut niveau. Je vais aller voir où ça en est, cette histoire de pont. Je crois que c'est là-bas que le pont va être construit. J'avais bien vu qu'il y avait un pont, puisque la dernière fois, je voulais aller dans l'eau et on pouvait pas y accéder. Oh, et des petits poissons. C'est des poissons ou c'est des canards? Ah oui, d'accord, les poissons, ils sont comme ça, au calme. Papa, maman et bébé poisson rouge. Alors, c'est ici qu'il y a un pont, apparemment. Maintenant, je ne me ferai plus avoir, je ne ramasserai plus ça. J'étais persuadée, les gens, que c'était une petite... Alors, j'allais dire fourmilière, mais non. Une petite maison d'abeilles. Et en fait, ce sont des gros cacas. Je ne les ramasserai plus jamais. Je pense qu'il faut qu'on aille les acheter, les ressources. On va passer voir le marchand, on va lui dire qu'il nous faut du gros bois. Et voir si on peut pas lui vendre du petit bois en échange. Parce que là, avec la pauvre hache qu'on a, on n'ira pas loin. J'ai beau ramasser tout ce que je peux, on a que du bois normal. Bon, il est où ce marchand? Alors, voyons voir. On va regarder ça de plus près. Salon de coiffure. Bon, ce sera pour plus tard, on ira se refaire une beauté. On pourra aller faire des vêtements aussi, mais pour l'instant, on n'a pas de sous. AEG construction, c'est pas ça. Ruine abandonnée, église. Top, boulangerie, magasin de fleurs. Je sais pas en fait. On lui a rendu visite hier, mais comme il fait nuit, je pense qu'on va visiter un peu. Ça doit être un coin où normalement il y a du bricolage et un peu de tout. Total Tools, Belle, ça doit être ici, fourniture, voilà. Bonjour! D'accord, tu vas être l'homme le plus fort, c'est génial. Moi je veux acheter des choses. Ah oui, d'accord, il vend des choses déjà faites lui. Et si on veut acheter juste du bois, c'est possible ou pas? Ah non... Lui, il vend vraiment des objets, quoi. Bah non, on va lui vendre un peu de bois. Il n'y a que comme ça qu'on va se faire des sous, hein. On va lui en vendre 50. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'acheter du bois. J'ai l'impression que personne vend juste des... Bah des ressources, quoi. Mon pauvre petit Lulu Shop, en plus je suis même pas dans le village, je suis la seule qui est excentrée. Alors, peut-être avec ça. On récupère ça, on va construire autre chose. Si personnel. Barre de cuivre, minerai, pierre. Non, c'est pas ça. Ça a transformé le bois en planche. C'est peut-être ça qu'il nous faut. Hein. Ça me dit quelque chose, ça. Il nous faut des briques. Je crois qu'il nous en faut au moins 5. Des briques, il nous faut des barres de cuivre. Ok, on va y arriver.
Lame de cuivre. Brique, il en fallait 5. J'en ai fait un peu plus. Et ensuite, on va faire des lames. Allez, courage. Nous avons du courrier. Bonjour. De Dawa. Je suis Dawa, le gardien de la ferme arboricole de Portia. La dernière tempête a arraché certaines de nos clôtures. Ok. Donc il faut refaire des clôtures. Ok, alors j'ai l'impression que tous les jours je vais avoir des nouvelles choses. J'ai même pas le temps d'en faire des nouvelles. Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. On va continuer à farmer. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Il va falloir aller me coucher parce que là, il nous faut 16 heures. Donc ce sera pas prêt avant demain matin. Il nous faut un jour à chaque fois, j'ai l'impression, pour fabriquer. Yes! Niveau 7. Je vais récolter un max de bois, comme ça on aura tout ce qu'il faut. Je vais vous le faire, votre pont. Vous inquiétez pas. La mairie compte sur moi, là. Je peux pas les décevoir. J'essaie de vraiment tout récupérer jusqu'à avoir... être épuisé. Et ce soir, je peux vous dire qu'à 17h, on est au lit, on fait dodo. Et on est prêt pour de nouvelles aventures. Voilà. Plus rien faire, on a plus de force. Le soleil se couche, ça tombe très bien parce que nous, on va se coucher. Bonne nuit. Le soleil se couche relativement tôt ici. Faites de beaux rêves. Oui. Ding dong, ding dong. Bonjour. Alors, est-ce que c'est prêt tout ça? Ok, super. Et ensuite, il nous faut des lames de cuivre. Alors, je crois qu'on a du cuivre. Barre de cuivre. Il y a encore des briques de pierre qui sont pas prêtes. Mais comment j'en fais de la lame? Il ne me raconte pas ça. Là, non, on n'a que des barres, on n'a pas de lame. Est-ce que quelqu'un sait comment on fait des lames de cuivre, s'il vous plaît? Trop de construction dans cette ville. Hein. Nous avons plusieurs missions, mais la première va être d'aller chercher du minerai, puisque là, il faut absolument qu'on améliore notre hache. Après moult et moult de réflexion, moult et moult de recherche, l'appel à un ami, le 50-50, prodige a trouvé la solution, et pour ça, il faut qu'on améliore notre hache pour pouvoir taper ces espèces de gros arbres là, et avoir du bois dur, ce qui nous bloque jusqu'à maintenant. Donc, je retourne à la mine pour prendre des minerais, pour faire ma hache, pour ensuite couper des arbres. Quoi ? 200 gold ? Ok, et en plus on peut plus aller miner. Mais c'est pas bien. Donc là, pour avoir des minerais, on n'est pas bien. Il te faut une pioche supérieure. Oh, 200 gold. Je vais jamais m'en sortir. Il faut que je revende des ressources pour avoir 200 gold pour re-rentrer dans cette fichue mine. Luciole, quel plaisir de te voir. J'ai un problème. Récemment, beaucoup de monde m'ont acheté des parapluies. J'en ai plus. Est-ce que tu pourrais en faire? Quel type de matériaux? Oh, rien de bien sorcier. Juste quelques épines d'oursin. Bon, si c'est des épines d'oursin, je crois que c'est bon. Je sais où en trouver. Ah, il me redonne des choses à faire alors que j'ai pas du tout fini, je suis à la bourre totale. Il faut que je revende mes ressources, j'ai pas le choix. Je vous jure. 200 gold pour aller à la mine, quoi. Ils se rendent pas compte à quel point nous, les petites gens, on n'a pas les moyens. Bon. Je vais te vendre des choses, mon coco. Est-ce qu'on a des sous, là? 100 gold, c'est tout? C'est pas cher payé, hein. Je pensais qu'on aurait plus, quand même. 173. Ouais, bah, 173, Ok, bah faut aller récupérer de nouvelles choses. Normalement, dans les hauteurs de la ville, il y a des endroits... Voilà. À des endroits où il faut escalader un peu, on peut trouver des coffres et des fois, il y a des choses rares dedans. Je suis dans un nid d'oiseau. Faut que je trouve d'autres coffres. Et les journées passent tellement vite en plus. Comme si j'avais pas assez de soucis comme ça, il fallait... il fallait en plus que je galère maintenant. Je sais pas quoi faire. Bah limite, je pense qu'il faut que je ressorte, que je re-récolte et que je revende à n'importe qui un peu de bois et un peu de pierre. Pour aller rechercher du minerai. Allez, un coup de hache pour tout ça. Bonjour, bonjour! J'ai encore des choses à vous vendre! C'est tout que 10? Je vais finir par lui vendre tout mon inventaire, cette vite vue. Hein. Je vais récupérer quelques cocons. Voilà. Un peu de miel. Rebonjour! J'ai encore des choses à vous vendre. Non, je ne veux pas discuter avec vous. Non, non, là on parle argent, là on parle affaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit miel? Ça vous intéresse? Allez, je vous le vends. Et vous pensez quoi de ça? Allez, je vous les vends tous. Oui, on a 200. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Allez, je vous les vends tous aussi. Il me faut des sous, là. Aujourd'hui, ça rigole plus. Hein. Les fruits, bonne récolte. Hein. Je pense que je vais aller en chercher plus souvent. Oh, il fait déjà nuit. Non, mais là, c'est pas possible. Hein. Moi, je vais pas me coucher. Hein. J'ai pas fini ma journée. Il faut absolument que j'aille récupérer des minerais avant demain. Je peux pas rester dans ces conditions. C'est mort. J'ai encore un peu d'énergie. Alors, laissez-moi rentrer. Ouais, ouais. Laissez-moi rentrer.
J'ai besoin de mon passe hebdomadaire là. Je peux pas vivre sans ça. Alors, il nous faut des choses un peu rares, donc il nous faut notre vision 3D, notre petit détecteur de choses intéressantes. J'espère qu'on va avoir assez d'énergie parce que ça descend très très vite. Là, il nous faut absolument des minerais là. S'il vous plaît, soyez gentils, que j'ai pas fait tout ça pour rien. Encore un petit effort. Ah, oh, on est trop fatigués. Bon, on a fait ce qu'on a pu, il faut qu'on remonte. Tout ça pour un minerai quoi. 200 gold, un minerai. Ouais, et bah c'est pas encore demain qu'on va faire ce qu'il faut, mais par contre je peux vous dire qu'on va aller à la mine tous les jours là, ça va plus rigoler hein. Oh dodo, j'ai quand même envie de placer mon horloge avant parce que je crois que c'est un petit objet de déco. Hein. Et on a deux disques à déposer aussi. Oui, j'ai déposé ma petite horloge, je suis contente. C'est pas une vraie déco, mais c'est mignon. Bon, on a dormi. Et bah on a du boulot, j'ai envie de vous dire. Il nous manque un minerai de cuivre. Pour avoir une barre de bronze, sachant qu'il faut deux barres de bronze, donc il nous faut 6 cuivres. Le 19 de ce mois, nous fêtons le jour du soleil éclatant. Nous t'invitons à préparer un cadeau pour la ville et à le donner au maire. Le jour J, nous lançons les cadeaux depuis notre dirigeable. Ok. Bah écoute, on essaiera de préparer un cadeau, hein. Si j'arrive déjà à trouver 3 bouts de minerai. À la mine! Alors si vous commencez le jeu, ne faites pas comme moi. Hein. Commencez par faire une bonne hache, sinon vous allez être bloqué à tous les niveaux. Et ensuite une bonne pioche, bien sûr. Alors, on va éviter de faire des bêtises. Ah, il y a du cuivre en plus ici. Ah, je suis sur une bonne... je suis sur un bon endroit, là. Deux cuivres directs. Encore du minerai de cuivre. Décidément. Il y a quelque chose, là. Quelque chose qui brille, là. Un verre correcteur. Tiens, tiens. Si jamais j'ai besoin de lunettes, on sait jamais. Ok, ça a l'air d'être une pièce, ça. Une pièce ancienne, un disque abandonné, oulala. Une pierre de pouvoir. Non, mais aujourd'hui, c'est la fête, hein. Oh, c'est la grosse fête, encore du cuivre. Oh là là, c'est la bonne journée là aujourd'hui. La bonne journée de récolte, il fallait venir. On va se laisser un petit peu d'énergie quand même pour pouvoir ramasser du bois une fois qu'on aura fait notre hache. Sinon, on sera pas bien. Alors, comment je ressors de mon terrier moi? Je me suis légèrement égarée. Vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai hâte de faire cette hache. C'est vraiment là. Le seul objectif de ma vie, c'est de devenir bûcheronne professionnelle et d'avoir une belle hache faite en minerai. J'ai quand même miné pendant 3 jours. Pour pouvoir avoir tout ce qu'il fallait, pour pouvoir faire cette hache. Et sachant que nous, il nous en faut combien pour la hache? Il nous en faut 3. Et il nous en faut 2 pour faire ce qu'on est en train de faire. Plus un kit d'amélioration. Et ça, il faut aller l'acheter en ville. On va aller se renseigner là-dessus. Pièce ancienne, et là on a du disque, donc si je dis pas de bêtises, on en a 5, c'est bon, on va pouvoir le ramener aussi. Avant que ça ferme. Je suis en train de faire des trous, des grottes, c'est un peu n'importe quoi là. S'il vous plaît, où est la sortie? Je me suis un peu perdue dans ma grotte, là. Voilà, voilà. Il fait bientôt nuit, il va falloir qu'on se dépêche. Il faut que je trouve le marchand pour pouvoir acheter la pièce qu'il me faut pour ma hache. Est-ce que c'est vous qui vendez la pièce dont j'ai besoin? Ou vous, peut-être? Non, vous. Lui vend des meubles. Ah, je sais pas où c'est. Barbershop... Peut-être que là-bas, je vais avoir le temps d'y aller avant que ça ferme. Ah non, ils ont fini. Ils partent. Ça doit finir, ça doit fermer à 18h. Petra! J'avais des disques pour toi, Petra. Bah ouais, je voulais vous le faire savoir, justement. Mais bon, trop tard. Alors, ça c'est le petit monsieur. Lui, là, Mars. Monsieur très très gentil, ma foi. Qui te vend ce que tu as besoin, donc le kit d'amélioration, pour récupérer ta hache. Et ce kit d'amélioration coûte quand même 310 balles. Donc je peux vous dire que j'ai secoué des tonnes d'arbres pour avoir plein de fruits, puisque les fruits rapportent un peu plus que si vous récupérez que du bois ou des cailloux. Donc je lui ai vendu un tas de fruits. Là, je viens de récupérer mon petit kit et je vais retourner à la maison pour voir où ça en est au niveau des matériaux pour pouvoir faire ma hache. Moi, je me disais, je vais pouvoir avoir mes petits animaux... M'occuper de ma maison, tout ça, tout ça. Non, 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 non. Fabriquer. Alors, je crois qu'il nous faut des barres de cuivre et de bronze. Il nous faut les deux. On va voir déjà où s'en est cette histoire de hache. Il manque une barre de bronze, donc on va faire du bronze. Alors, ça, c'est quoi? Je crois que je l'avais, ce petit caisson, en plus. Je crois que le petit caisson, il est rangé dans la maison. Je pense qu'il faut tout que je construise au fur et à mesure. J'ai voulu faire trop vite à vouloir directement faire un pont, mais en fait, il faut d'abord que j'ai tous les petits outils d'abord. Et ensuite, faire des plus grosses choses. Il est mon petit tabouret. Je sais que j'avais fait le petit tabouret en pierre à un moment. J'avais tellement besoin d'argent que je pense que j'ai tout vendu, là. On va le faire, c'est pas grave. Je crois que c'est ici, en plus. Petit tabouret, voilà. Tabouret, fabriqué. Oui, confirmé.
Ça prend 2 secondes, c'est pratique. Voilà. Je sais pas encore à quoi ça va servir, mais on va très vite le savoir. Ah mais si, j'en avais déjà. Mais qu'est-ce que je suis bête. Ah mais c'est trop bien. Mais non, je suis pas bête. J'en ai fait un deuxième, donc je peux construire d'autres choses en même temps. Bon, c'est juste qu'il me manque du cuivre. Et que je suis trop fatiguée pour aller en chercher. Mais c'est trop bien. Ça veut dire que je pourrais faire 2 fois plus de choses en même temps. Ok, donc ça c'est cool. Ça avance, ça fait plaisir. C'est le matin, je vais avoir une nouvelle hache. Carburant épuisé. Bah on va remettre du carburant, c'est pas grave ça. Ah, j'ai pas pensé à en remettre hier. Bon bah du coup c'est pas prêt. J'ai pas de hache. Je vais aller chercher du minerai en attendant. C'est tellement la classe, un chapeau parapluie en plus. Va falloir qu'on aille investir. Et c'est parti pour la mine. Je vais repartir dans mon trou. Faut vraiment qu'on trouve du minerai aujourd'hui. Pas venu pour rien, je vous le dis moi. Encore de la pierre de pouvoir et des pièces anciennes. Ça c'est bien parce que pour les constructions on va en avoir besoin. Mais là, s'il vous plaît, je veux du minerai. Je me suis encore perdue. Je me suis totalement perdue, les gens. Ok, on regarde le ciel et on essaie de trouver une sortie intéressante. Ça doit être là. C'est là. Ouf. Ouf. Ah, voilà. Fini de manquer de cuivre. Cette période est révolue. Maintenant, nous sommes la reine du cuivre. J'ai combien de morceaux, qu'on rigole? 48 morceaux. Alors que ça fait 3 jours que je galère avec 2 morceaux par jour. Ah, ça y est, c'est la fête. Bonjour. Parfait, donc ça je récolte. Ma hache, direct. Là, j'hésite même plus, là. Oui. Oh, ma hache. Regardez-moi comme elle est belle. Attendez, attendez, on va chercher du gros bois direct. Toi là, tu luttais toi. Bim. Ça change tout. Attention, gros bois. Bois, résine, bois dur, sève, parfait. Tout ce dont on a besoin. Ah là, ça a pu rigoler là. Eh ben écoutez, je trouve qu'on a bien travaillé là. Hein. Vraiment pas facile, il faut vraiment y passer du temps. Et une fois qu'on a compris... Ça devient simple et ça devient vraiment fun. Le tout, c'est de bien récolter les ressources et de s'organiser dans sa journée parce que les journées passent très très vite. Mais moi, j'adore ce monde et j'ai vraiment très très hâte de mettre un peu de sous de côté, de pouvoir avoir mes premiers animaux parce que quand j'ai vu qu'il y avait des chevaux, quand j'ai vu qu'il y avait des petits poussins, j'ai vraiment eu envie de faire de l'élevage. Et là, j'économise au max, j'essaye de faire ce qu'on me dit pour pouvoir avoir mes animaux et pour pouvoir commencer à fond l'aventure. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !